Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le multijoueur de Call of Duty Modern Warfare 3, consacré au mode Get Height. Et oui, il est de retour, c'est donc l'occasion parfaite pour en refaire, mais cette fois-ci en live commentary. Let's go! D'ailleurs, certains pourraient se poser la question pourquoi la première vidéo sur ce mode Get Height n'était pas en live commentary. Alors ça déjà, je l'avais expliqué dans un premier temps, effectivement, le mode était dispo que pendant 4 heures. Mais surtout, c'était dispo de 2 heures à 6 heures du matin. Autant dire que niveau horaire, c'est pas l'idéal pour faire une vidéo. Et même, c'est pas l'idéal, je dirais, pour y jouer. Par chance, moi, j'ai des horaires un peu décalés avec mon travail, donc ce qui fait que à ce moment donné j'étais sur la play et quand j'ai vu qu'effectivement le mode était sorti, je me suis rué dessus. Donc ça m'a pas posé de soucis, tu vois, pour y jouer, mais pour faire une vidéo, non, c'était pas du tout le bon timing. Bien heureusement là pour cette deuxième session, je sais pas si ce sera la dernière, c'est pendant 24 heures que le mode est dispo. Donc là bon, tu peux y jouer quand tu veux finalement, pendant la journée en tout cas, mais là on n'est pas restrictionné avec cet horaire. Bah, très américaine, parce que bon, pour nous, c'est de 2h à 6h du matin, donc c'est pas du tout adapté. Je parle bien pour la première session, mais j'avoue que pour les Américains, eux, c'était sûrement soirée, ouais, dans les alentours de 22h, je dirais, avec le décalage horaire, je crois que c'est à peu près ça. En tout cas, sur la fin de session, donc eux, c'est parfait, hein, mais j'avoue que pour nous, c'était pas très très adapté, hein. Eh bah, c'est parti, du coup, hein. Bon, là, j'y ai pas joué, du coup, bah, depuis quasi une semaine, hein, parce que la première session, ouais, date d'il y a quasi une semaine, donc, on va essayer de retrouver nos petites habitudes. Mais j'avoue que si, dès la première tentative, on va jusqu'au bout, ce serait pas mal du tout. Mais c'est pas encore gagné, hein, parce que, bon, c'est pas si simple, en vrai, hein. Tu peux, on va dire, te permettre de faire quelques erreurs sur le parcours, mais pas énormément non plus, hein. Après, bon, c'est vrai que certains, ils arrivent quand même à clôturer le parcours en... J'ai vu le record, je crois, il a 6 minutes, un truc dans le genre, hein, donc c'est très rapide, mais bon, je pense qu'ils ont bien l'habitude. Ah bah super, déjà là, tu vois, je suis tombé, bon, c'est pas grave, hein. Mais on va quand même perdre du temps. J'ai voulu quand même gratter du temps en essayant de faire un super saut, mais j'ai complètement raté mon saut, donc au moins, ça c'est fait. On va au moins essayer, de toute façon, d'aller le plus loin possible sur cette première tentative, en live commentary. Et on aura de toute façon d'autres occasions d'aller plus loin sur les prochaines games, soyez-en sûrs. Mais bon, là, de toute façon, rien que ce petit fail ne signe pas un arrêt de mort. Hein. On a encore des chances. Hier, d'ailleurs, sur mes premières games, j'étais en train de focus à chaque fois les cibles, mais en fait, les cibles, de ce que j'ai compris, leur seule utilité, c'est juste de donner de l'XP. Hein. Parce que ça ne donne aucun score supplémentaire, tu vois, au niveau après du score global pour la fin de partie. Donc vraiment, ouais, pour moi, la seule utilité, si j'ai bien compris, c'est que pour de l'XP. Donc c'est pour ça que je m'arrête pas, hein, là, pour les détruire, les cibles. C'est totalement inutile. Hop. N'empêche, là, vu qu'ils ont fait, tu vois, bon, une nouvelle session, limite, ils auraient pu nous mettre un nouveau parcours. Hein. Bon, là, c'est exactement le même parcours. Je pense que vous le reconnaissez. Moi, je le reconnais très, très bien. Donc, il n'y a pas eu de changement. Mais j'avoue que, limite, ça aurait pu être un nouveau parcours. Ah, dommage. Ah là, on est clairement pas sur un speedrun hein, pour l'instant, mais bon, c'est le temps de s'échauffer, que voulez-vous? Aïe, aïe, ah bah super l'enchaînement. Ah bah tu vois, je tombe sur des trucs un peu débiles. Hein. Mais j'ai pas encore dit mon dernier mot. Ah non. Ah vrai, c'est chiant, tu vois, quand tu fais un départ comme ça, pas très très bon, bah ça fait en sorte qu'on va tomber avec les autres joueurs, et que les autres joueurs vont possiblement pouvoir nous bloquer, hein, nous gêner en tout cas. Hein. Vu que là, il y a les collisions, effectivement, c'est mieux quand t'es tout seul devant, en mode, il n'y a personne pour te gêner, que quand t'es en plein milieu du groupe de joueurs, et là, c'est beaucoup plus galère, hein. Surtout sur certains obstacles. Donc si on peut effectivement s'éloigner des autres, ce serait quand même pas mal du tout. Ça faciliterait la tâche, hein, parce que sinon, il y a moyen que finalement on faille, mais ce serait plus de la faute des autres que de notre faute à nous, hein. Et je cherche pas des prétextes, hein. Ah non, non, non. Hop là. Bon là déjà on s'éloigne un peu du groupe. N'empêche j'ai pas tant que ça de retard étonnamment parce que je vois que là le premier est seulement à 60. On est à 55 donc il est pas loin devant. Hein. Alors que pourtant je trouve que j'ai fait un début assez médiocre. Hein. Donc ouais. Bizarre. Il y a limite encore une possibilité que on passe devant et on soit premier. Hein.
c'est pas l'objectif, mais bon. Ah ouais. Ce serait un bon bonus, j'avoue, hein. Surtout pour une première game. J'apprécierais fort volontiers ce genre de scénario. Hop là. Allez. Ici, bon, c'est toujours un peu aléatoire. Tu peux très bien te faire pousser comme tu passes en one shot. Et comme par hasard, je me fais pousser, oui, comme si on n'avait pas déjà fait un début assez problématique. Comme par hasard, là, je suis tombé au bon time. Non, deux fois de suite, par contre, c'est fou. C'est quoi cette synchro de merde? Non, mais vas-y. En plus, à chaque fois ici, quand tu tombes, c'est toujours le dernier mur qui te pousse. Non, mais c'est... Mais j'ai le pire... Attends, on va passer par là, hein, mais... Là, vraiment, c'est quoi ce timing de merde pour à chaque fois se prendre le dernier mur? Bah voilà, là, tu vois, je me suis pas pris, mais... Waouh. J'ai réussi à chaque fois, en fait, à me lancer au pire moment. Voilà le résumé des choses. J'avoue que là, ça commence à devenir compliqué, hein, pour aller chercher... La hauteur maximale, hein. Aïe, 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 aïe. Je commence à avoir certains doutes, hein. Il y a fort à parier qu'on puisse aller loin, mais bon... Est-ce qu'on va atteindre le fameux escalier infini? Enfin, quasi infini. Ça paraît compliqué. Oui, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'il fait face à cet obstacle, parce que... Il avait l'air d'être un peu bloqué. La même chose, hein. La première fois, face à ça, j'étais en mode, mais attends, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, j'ai vu un autre joueur passer comme ça, et je me suis dit, ah, ok, oui, effectivement, s'accrocher, c'est pas une mauvaise idée. Bon, le premier a quand même pris de l'avance, tu vois, il a 100 points, on est à 80. Et on est... Oh putain, on est déjà... Ah ouais, mais j'ai un gros retard, hein, parce que habituellement, à ce timing-là, enfin habituellement, c'est après dans les meilleures parties, hein, mais je suis quasiment à l'avion, et là, on n'y est pas du tout encore à l'avion, hein. Ouais, donc ça confirme effectivement que... Alors, faudrait faire un sans-faute, mais même un sans-faute, je pense, ne me permettrait même pas d'atteindre l'arrivée, hein. Bon, c'est que le premier essai... On aura l'occasion de faire mieux, mais j'avoue que là, j'ai déjà pris un gros retard. Après, c'est peut-être même pas si étonnant que ça en même temps, hein. Vu les fails. Ah ouais, tu vois, on est déjà à 5 minutes de passé, et effectivement, j'ai pas encore atteint l'avion, et on n'y est pas encore, hein, surtout. Même si je m'en rapproche. Il va falloir carburer. Surtout, l'avion, bah pour moi, c'est vraiment la phase la plus compliquée, hein, du parcours. La plus dangereuse. Donc là-dessus, il y a moins que je faille, hein, et si je faille, là, c'est fini. Donc là, ouais, j'ai vraiment intérêt à le passer en one shot. Mais je suis pas du tout confiant. Je suis pas chaud, là, je suis pas chaud. C'est le parcours des chauffes, que voulez-vous. Hop. Ah, j'ai une minute de retard quasiment, hein. Ça va être compliqué. En fait, j'ai plus le droit à l'erreur, je pense. Genre maintenant, la moindre erreur, c'est finito, hein. Putain, t'es sérieux? Oh non, oh non. Bah là, attends, si je tombe, je respawn où? Ouais, bon, il valait mieux tomber, effectivement, mais... Oh. En plus, j'ai jamais fail ce passage-ci. Comment j'ai réussi à le fail, là? Je ne sais pas. Bon, bah, tant pis, hein. En même temps, tu vois, c'était la première fois que je le faisais en live quand t'arrives, mais... Ah, c'est dommage, hein. C'est dommage qu'on n'aille pas très très loin, enfin... Pour moi, ne pas aller très très loin, c'est-à-dire qu'on va pas aller jusqu'à l'arrivée, mais bon. C'est comme ça. Oh putain, l'autre joueur, là, il a failli me bloquer, hein, si je m'élançais dans mon saut. En même temps, cette phase-là m'a toujours fait peur. Même si j'étais jamais tombé ici, bah voilà, tu vois, ça finit par arriver, hein. Mes craintes étaient donc fondées. Il va être chiant, lui, hein. Faut qu'on essaye de, voilà, le dépasser, parce que... Il va nous gêner, sinon. Oh, putain, regarde. Par contre, j'avoue, je comprends pas pourquoi dans un tel mode où tu peux vraiment te retrouver avec plein de joueurs autour de toi, surtout au début, pourquoi ils ont activé les collisions. Bon, bah au final, la phase qui me fait le plus peur à chaque fois, on a réussi à la one shot. Quoique, attends, j'ai pas encore atteint le checkpoint. Hein. Attends, je peux fail là-dessus, mais normalement c'est bon. Ah, il nous reste 3 minutes. Oh là 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 là, catastrophe, catastrophe, c'est pas bien ça. Ah là là, décevant comme prestation. C'est le choke. Le choke du joueur de français. Non mais même ma glissade là était ratée. Hey Tayo, voilà, c'est ça une bonne glissade. Les bonnes glissades comme on les aime. Là je vais me prendre le mur. Non c'est bon. Moi bon, je me suis pris le mur mais pas de quoi me pousser non plus. Hein. Bon, après ça va, on a quand même atteint... La dernière phase, on va dire, du parcours. On n'est pas si loin, finalement, de l'arrivée, mais... À l'arrivée, ne sera pas atteinte. On est combien tième après, tu vois? Ah, mais vu que je vois même... Ah bah si, je suis deuxième, j'avais pas vu. Si. J'allais dire, on voit pas le classement, c'est-à-dire que je suis très mal classé. Non, je suis deuxième.
Même avec une piètre performance, je suis deuxième. Je sais même pas comment c'est possible. Non, mais comme quoi, il y en a, ils galèrent vraiment. Hein. Parce que là, pour moi, vraiment, j'ai fait une piètre performance. Et bah, quand tu regardes le classement global, ça va. Allez, monte, monte, monte. La petite échelle, parfait. Il y a quoi après, déjà? Je m'en souviens plus. Ah oui, c'est cette phase-ci. Bon, ça, c'est tranquille, même si, du coup, c'est une phase où t'es un peu obligé d'être lent, donc voilà quoi. C'est pas là qu'on va speedrun malheureusement. Ok, ok. Il y a peut-être moyen quand même que j'atteigne l'escalier, même si du coup je n'aurai pas le sommet en fait, hein, mais. Je me dis, il y a peut-être moyen au moins d'avoir ça. Cette phase aussi est un peu chiante, vous l'aviez vu, de toute façon j'étais tombé sur cette phase. Lors de ma meilleure game, de mon meilleur temps, parce que c'est le meilleur temps que je vous avais proposé. Oh, magnifique. Du coup, oh non. Non, c'était magnifique, mais là, c'est tragique. Comment j'ai pu tomber? J'y étais. Oh là là. Mais ouais, du coup, sur le meilleur temps que je vous avais proposé, effectivement, là-dessus, j'ai été tombé. Bah, bise répétita, hein. Parce que là, bon, j'ai pas le même temps restant, donc... Oh, c'est gênant. Très gênant, même. Je suis pas allé sur la plateforme que je souhaitais. C'est celle-ci là que je voulais avoir. Elle, voilà, bon, on l'a eu, mais tardivement. Plus que 30 secondes. Ah bah, il y aura même pas de regret parce que bon, on était loin du coup, hein. Enfin, loin, ouais, si, quand même. Hop là. En plus, j'ai perdu ma deuxième place. Bon, on a le podium au moins, faut voir le bon côté des choses. Ah, on n'était pas si loin, parce que là, c'est la dernière ligne droite, non? Bah oui, regarde, oui, effectivement, on voit l'escalier. Oh, en vrai, faut relativiser pour un premier essai, ça va. Genre, il m'a fallu quand même pas mal d'essais avant d'arriver ici, quand je découvrais, tu vois, le parcours. Donc ça va, on va dire, ça va. On a fait 205. Il y en a quand même beaucoup qui sont bien derrière, hein. C'est vrai que quand tu descends bien dans le classement, tu vois, ils sont à 120 scores, je sais plus à quoi ça correspond les 120 scores, mais bon, c'est pas très très élevé, hein, niveau altitude. Allez, de toute façon, on va enchaîner avec une deuxième partie, et celle-ci, il faut que ce soit la bonne. Hein. Il est temps de repartir en hauteur, et j'espère que je serai bien placé sur la grille de départ, parce que, attention, ça peut avoir son importance. Si tu commences directement sur la première ligne, ah bah là, tu pars devant, t'es pas gêné par les autres joueurs. Et grâce à ça, t'as quand même moyen de faire un très bon run. Dans le cas contraire, si tu commences dernière ligne, c'est pas fou du tout, hein. Je pense d'ailleurs que si tu veux potentiellement tenter un world record dans ce mode Get Height, je crois que c'est impossible si tu commences troisième ligne. En tout cas, tu pars directement avec un déficit, donc pas fou fou. Bon, là, en l'occurrence, on est très très bien. Il n'y a plus qu'à foncer. Let's go. Oh là là. C'est rare en plus, hein, de commencer première ligne. En tout cas, de mon côté, donc... Là, j'ai intérêt à en faire bon usage de cette chance. Faut surtout pas que je me foire, du coup, sur la tentative raccourcie comme, du coup, l'essai précédent. Et si je me foire pas là-dessus, ah, mais là, la voie, elle est ouverte, hein. Là, vraiment, c'est la destinée de faire un très très bon score et surtout d'atteindre l'arrivée. Mais là, on pourrait même faire le très bon score, du coup, dans la continuité de tout ça. Aïe, me poussez pas. Tu vois, là, du coup, on est ultra bien. Est-ce qu'on va avoir le timing ici? Oh, c'est même pas un timing qu'on a eu, c'est un perfect timing. Ah, par contre là on l'a pas du coup malheureusement en succession. Hop là. Ah, et du coup là ça va plus du tout enchaîner, hein. Ah, ici à chaque fois c'est bad timing de toute façon, hein. J'ai l'impression que tu peux pas enchaîner cette étape en mode one shot sans t'arrêter. Il y a toujours un moment où tu dois t'arrêter, et quand je dis un moment c'est plusieurs moments même, hein. Oh non, là par contre la glissade n'a pas voulu se faire. Oh, du coup, l'autre, il est passé devant, mais bon, tant pis, hein. On le rattrapera plus tard. Il fera bien une erreur à un moment donné, nous, on va faire en sorte d'en faire aucune, et puis voilà. Hein. Telle est peut-être notre destinée. Bon, là, tant pis, pas de glissade. Hop, ça va revenir, voilà. Ce qui est bien, c'est déjà, là, on est beaucoup mieux que sur l'essai précédent, donc l'amélioration fait plaisir. Oh, regarde, là, on prend de la hauteur en plus supplémentaire. Pas très utile, hein. Hop, voilà, on enchaîne. Ok, nickel, pour l'instant, on est bon. Ici, je
sais pas pourquoi cette phase me fait toujours un peu stresser quand même. Même si elle est pas bien complexe. Mais quand même, il y a une certaine pression. N'empêche, soit ils auraient pu faire ça en mode variante, soit ils auraient pu juste en fait faire en sorte que ça se passe comme ça sur ce mode. Mais le mettre plutôt sous une formule only up, où t'as pas de respawn. Non mais ça aurait été bien hein. Après moi je dis ça parce que je sais que j'ai déjà réussi à faire le parcours sans faute. Mais non j'avoue que ça aurait été un sacré challenge hein, pour alors d'avoir aucun checkpoint, devoir tout faire en one shot. Bon après j'avoue vu qu'il y en a certains déjà qui galèrent à finir le parcours dans les 10 minutes et en même temps ça peut se comprendre, parce que c'est vraiment pas simple hein. Bon j'avoue qu'après si tu rajoutes en plus la nécessité de faire aucune erreur, aïe 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 hein. Après bon en soi, en tout cas quand t'es sur un rythme un peu tranquille, quand tu connais pas les ficelles et tout. Limite, tu vois, on est pas loin, c'est vrai, dans sans faute, hein, quand tu veux, du coup, juste atteindre l'arrivée, hein. Parce que c'est short, quand même, hein, niveau timing, mais bon. Ah bah tiens, regarde qui on retrouve ici. Bah, j'espère qu'on va avoir plus de chance que lui, et surtout plus de chance que la partie d'avant. Eh bah non, toujours pas. Mais c'est fou, hein. Voilà aussi pourquoi je peux pas faire de sans faute, parce qu'à chaque fois, je me fais avoir sur cet obstacle de con, là. Bon, au moins, j'ai pas autant galéré que tout à l'heure. Ça, c'est full aléatoire, je suis désolé, hein. Quoique si, je pense qu'il y a moyen de trouver le timing parfait où t'es sûr, quoi qu'il arrive, tu passes. Mais, vas-y. Trop de compréhension à choper aussi, c'est trop hard, en fait, hein. Non, non, non. Moi, j'y vais au hasard et j'espère juste que le mur me pousse pas, mais bon, la plupart du temps, il a une forte envie de me pousser, hein. Bon, moi, bonne nouvelle, vu que là, on est premier, du coup, non? Bah, normalement, oui, hein. Vu que l'autre, il est derrière nous, et je crois pas qu'il y avait quelqu'un d'autre devant, donc, on vient de dépasser la concurrence, en principe. De toute façon, là, on verra pas au score, parce que, du coup, il est au même niveau que nous, donc 80-80, là, tu vois. Mais, en principe, il est quand même derrière. Hop. Ah, bah, de toute façon, non, c'est bon, parce que, effectivement, ça marque premier pour nous, donc c'est bon, quoi qu'il arrive, hein. Bon, faudra pas fail du coup sur l'avion, hein, parce que c'est toujours ça qui me fait stresser, hein. On l'a bien passé la partie d'avant. Alors que bon, c'était pas forcément nécessaire, parce que ça aurait pas changé grand-chose finalement, au destin de la partie. À partir du moment où j'ai pas terminé le parcours, bon, bah voilà quoi, hein. On a pu aller peut-être plus loin que si j'avais fail, c'est même sûr, mais bon, pff, c'est pas game changer, hein. Ici aussi, ça me fait toujours stresser, même si j'ai jamais failli à cet endroit-là où il faut s'accrocher, mais c'est chaud, quoi. À partir du moment où t'es obligé de t'accrocher, ça me donne pas une grande confiance, hein. Parce que parfois, justement, notre perso galère à s'accrocher. Il y a un autre passage tricky, bah, justement, dans la phase de l'avion. Tiens, j'en parlerai, là, quand on va y arriver. Où je m'étais bien fait avoir, hein, sur une partie. Genre, au moins trois fois de suite j'avais fail alors qu'à chaque fois normalement mon perso il aurait dû s'accrocher. Il voulait pas, il avait de la savonnette sur les doigts, je sais pas, mais il y avait un truc en tout cas qui bloquait. Hein. Hop là, on commence à prendre pas mal d'avance par contre sur le deuxième. Hein. Le temps est déjà à moitié, au moins j'aurais peut-être un lot de consolation au cas où vraiment on venait pas atteindre l'arrivée. À mon avis on sera quand même premier. Hein. Par contre ça voudrait dire que personne n'atteint l'arrivée dans la partie, ça serait un peu ballot. Oh, par contre cette phase... qui me fait toujours stresser. Ok. Après, décidément, entre ça et après, t'enchaînes sur la phase de l'avion, c'est vraiment le moment... ouf, le moment très stressant. Ok. Allez, ici, pas de fail. Surtout pas de fail. En plus, là, t'as beaucoup d'options de passage différents. Hein. Mais je pense quand même celle que je prends est la plus rapide. À voir, hein. Jamais après regarder, tu vois, de speedrun non plus, mais bon. Et c'est ici, en gros... A chaque fois, mon perso, il voulait pas s'accrocher. Bon, depuis, j'avoue que cette mésaventure m'est arrivée, ça m'est plus arrivé à nouveau, mais... Du coup, ça me fait peur, hein. Bon, là, je crois que même la phase avion, on va réussir à la one-shot, donc c'est parfait. Comme ça, là, ça va me laisser vraiment le plus de temps possible pour la suite et fin. Pour ça que là, on s'assure quelque chose, je pense. Hein. Allez, on gratte comme XP. Ouais, pour 200 XP, d'ailleurs, ça vaut même pas le coup, hein. Et encore, normalement, c'est 100 XP, c'est juste que là, en ce moment, il y a double XP, donc on a le double, hein, mais... Ouais. Pas très rentable hein, cette histoire. Allez, oh, d'ailleurs regardez, il y a un serpent dans ma botte. Petite ref à Toy Story pour ceux qui ont les vrais refs. Un serpent dans ma botte. Oh par contre attends mais waouh, on m'a rattrapé là. L'autre il est à 150 derrière. Waouh. Comment il a fait plus, comment il a été plus rapide que moi? Il y a peut-être un raccourci au niveau de la phase de l'avion qu'il a pu prendre. Oh et en plus moi je tombe là-dessus, mais je me rattrape. Du coup, j'ai perdu aucune seconde. Ça, c'est beau, n'est-ce pas? Magnifique.
Ah, pour l'instant, tu vois, on est tombé une seule fois et encore, c'était sur la face complètement aléatoire. Donc, on est quand même sur un très bon parcours. En vrai, si je fais une passe sur la sur les carrés qui bougent, il y a moyen que je fasse peut-être mon meilleur score. Hein. Ouais, il y a peut-être moyen. Après, je sais même pas du coup à combien j'étais sur justement mon meilleur score. Bah, la game que je vous ai proposée, mais on est pas mal. Et on va essayer du coup également d'assurer la première place. Je sais pas où il est du coup l'autre. Ah, mais il est là. Bon, ça va en vrai. C'est toujours le même, hein. C'est pas un autre. Allez hop. Tu vois quand même la différence par rapport à la partie d'avant. Où bon, là limite on était. Bon, alors oui, sur les derni... on était sur la dernière minute, hein, plus précisément. Bon, là il nous en reste encore un peu plus de 2 minutes. Donc, ouais, ça change tout. Et c'est pas énorme, hein! Mais j'avoue, j'aurais peut-être dû regarder avant de lancer ces vidéos au moins les speedruns de ceux qui ont fait 6 minutes, parce que c'est fou quand même, hein, 6 minutes seulement. Mais je veux bien voir en fait les passages qu'ils prennent et tout, les strats, parce que c'est. Le temps gagné est énorme, hein! Donc, ouais, j'avoue, une certaine curiosité quand même de voir qu'est-ce qui fait en sorte finalement de gratter autant de temps après. Comment font-ils? Oh, vas-y, ça m'énerve. Eh, mais cette phase-là est. Elle est chiante! On va perdre notre première place là-dessus, hein. Attends, à force, tu vois, limite, je dois connaître les patterns des carrés, comment ils se déplacent, mais ça suffit pas. Je me fais quand même avoir, hein. Oh, et du coup, lui, il a réussi à bien passer comme il fallait. Donc, bon, bah, là, ça va être compliqué, j'avoue, d'être premier, hein. On va peut-être devoir se contenter d'une deuxième place. Même si, normalement, on va réussir à aller jusqu'au bout, là. Hein. Mais pas de grand-chose, hein. Parce qu'il reste que seulement 1 minute. Hard. Plus que 60 secondes. Ouais, ça va être très hard même. Attends, je suis même pas sûr d'aller jusqu'au bout, en fait. Je pense que l'escalier, on va l'atteindre. Mais après, après, c'est une autre histoire. Hein. Ici aussi, cette phase me fait toujours stresser, même si je suis jamais tombé. Hop. Wow, wow! Eh bah tiens, bah voilà, bah, on parle, et voilà ce qui arrive, hein. C'est la chute. Attends, mais je suis perdu en plus au niveau du. Mais je suis où là? C'est quoi ce respawn en plus? Ah ouais, t'es en plein milieu quand tu spawns ici. Bon bah c'est foutu. Ah bah décidément, ouais, je suis pas en réussite, hein. L'échauffement prend plus de temps que prévu. Ah, mais je suis deg, hein. Ah, mais si ça fail aussi, tu vois, sur des étapes où j'avais jamais fail auparavant, ça n'aide pas. Mais là, le problème, c'est que j'ai voulu me jeter et comme par hasard, il y avait un mur rouge au même moment. Hein. Oh, mais je suis deg, on était vraiment sur la dernière phase. En plus, là, regarde le perfect timing où t'as le mur qui se met devant toi, donc ça, c'est parfait. Ça fait qu'il peut pas être derrière, donc t'es pas pressé. On avait un bon truc. Après, forcément, j'aurais pas eu le même timing si j'étais pas tombé, mais bon. Hein? Attends, je suis premier? Alors, j'ai pas vu ce qui s'est passé, mais je me doute que le mec, en fait, il a passé la porte de la ligne d'arrivée, il a dû quitter. Eh ben, c'est pas mon problème. Officiellement, du coup, je suis premier. Il avait qu'à pas quitter, c'était pas terminé. Dans tes dents. Eh ben voilà. Bon, malheureusement, l'objectif était quand même d'atteindre l'arrivée, on l'a pas fait. Donc là, faut qu'on fasse l'arrivée plus un très bon score pour le prochain essai, la prochaine partie. Ah, ça met la pression, hein. Il va falloir le faire. Va falloir clairement le faire. Ah, tu vois là, tu vois, en 2 essais, j'ai même pas réussi à atteindre l'arrivée. Ça montre encore une fois la difficulté. Mais bon, il y a toute la phase d'échauffement. Hein. Je veux pas prétexter là-dessus, mais c'est tout de même une réalité. À mon avis, cette fois-ci, je vais pas réussir à commencer à la première ligne. J'aimerais pourtant à nouveau profiter de cet avantage, mais bon, niveau probabilité. C'est pas évident, je pense, hein, d'avoir 2 parties de suite cette chance d'être première ligne. Après, tant que je suis pas troisième ligne, c'est déjà bien. Hein. Je suis rarement comme troisième ligne, hein, j'ai remarqué. Et ben, ce sera la deuxième ligne. Ouh, bande de losers, bouh! Je vais me faire karma, moi, pour avoir dit ça. Aïe, 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 attention à moi. Allez, cette fois, c'est la bonne. Et Taïo! Here we go, comme il le dit, hein. Oui, parce qu'on est Mario en fait, c'est ça? Ah ouais, c'est le lore en fait derrière ce mode Get Height. C'est Mario, mais un peu défoncé. Voilà. Bon, là, il y a quand même pas mal de joueurs devant, donc
pas mal de chances de se faire gêner. J'aime pas ça. Sauf s'ils se plantent tous là et que moi je prends déjà bien mon raccourci. Que je ne suis pas seul à prendre, donc voilà, voilà. Pas fameux cette histoire. Hop. Ça va, ils sont que deux devant. N'empêche, je me demande. Parce que vous pouvez voir qu'on a les pierres, tu sais, dans notre inventaire. Enfin, plutôt les gravions même, limite, vu la taille. Que, comme on en a en Warzone dans le goulag. Et je me demande, du coup, quand on lance un sur quelqu'un, est-ce que ça peut réellement le ralentir, le bloquer? Parce que normalement, ça te fait un petit effet de stunt, hein, vite fait, bien fait, donc... Ça peut réellement faire fail un autre joueur de lancer ça sur lui? C'est juste pour le fun qu'ils ont mis ça. Moi, je pencherais sur la première option. Il y a vraiment moyen, effectivement, que... Tu puisses complètement anéantir le saut d'un adversaire avec ça, hein. Oh, la vraie strat pour alors, hein, imagine. Oh là là. Je vais pas dire que je serais tenté de le tester pendant cette... Cette partie, parce que non, ce serait en mode double tranchant, je tente ça et au final je me fais avoir en le tentant, donc on va rien tenter du tout, pour faire simple, mais j'avoue que ça m'intrigue maintenant que j'y ai pensé là. Ce serait quand même une bonne manière bien skillée, tu vois, de faire échouer un autre joueur, de pouvoir lui lancer ça alors qu'il est en plein saut. À faire justement son meilleur saut et là paf, et là il doit se dire mais comment ça j'ai failli mon saut là alors que j'étais parfait là. Non, bah peut-être une petite intervention entre temps, hein. Je dis ça, je dis rien, je sais pas là si on est, non on est même pas, non là je pensais qu'on était premier ex-aequo avec celui qui était à mes côtés, mais même pas, hein. Il y a un mec qui est devant, bordel. Bah, il était très rapide, hein. Ah bah lui je crois qu'il a profité justement du début pour prendre de l'avant sans être gêné par d'autres joueurs, parce que bordel, je trouve qu'on a fait un bon début de parcours jusqu'à maintenant, et pourtant, pourtant je suis même pas premier. Je sais pas si on va réussir à le rattraper sur toute la longueur du parcours qui reste encore, mais waouh. Allez, là déjà, est-ce que enfin on va avoir notre destin en main et pouvoir éviter de se faire... Oh oui, oh oui, au lieu de nous repousser, il nous a bloqué, voilà, c'est ça qu'il faut avoir comme timing, enfin. Eh ben il était temps. Eh ben on est bien alors, hein. Je pense qu'on est en mesure effectivement de rattraper l'adversaire. En plus, un petit fail de sa part et de mon côté rien du tout, et c'est gagné. Ou alors on est assuré de le doubler. Hop là. Après c'est que pour l'instant je l'ai même... Ah bah je sais pas ce qui s'est passé, mais... Attends, mais comment ça se fait? Ah mais si, je sais, parce qu'il est tombé à 65, mais je pense que c'est parce que quand tu tombes, tu perds des points, non? Je sais pas ce qui s'est passé, ouais. Bah je crois qu'on est passé devant lui, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais le score, effectivement, a chuté à 65, il est remonté directement à 80. Mais ça veut dire qu'il est tombé, du coup, hein. Je sais pas comment il a pu tomber, parce que ici, c'est vraiment pas un endroit où tu peux tomber, mais... Soit. Hop là, ici on gagne du temps, parce que chaque seconde est précieuse. On en a besoin. Moi, je vais surtout, de toute façon, me baser là sur la phase de l'avion pour savoir si on est bien niveau temps. Parce que je sais que sur ma meilleure run, du coup, celle que je vous ai proposée, j'étais un peu avant les 5 minutes dans cette phase. Là, bon, je sais pas, du coup. C'est serré en même temps, mais on n'est pas si mal, je pense, quand même, hein, quoi qu'il arrive. Parce que là, on va s'approcher quand même de la phase de l'avion et on sera, ouais, on sera dans les 5 minutes, hein. Je pense quand même que je vais y arriver avant d'être sous la barre des 5 minutes. C'est l'objectif. Même si après il y a encore tout ça à monter. Même si là il n'y a rien de compliqué. Mais ça prend un petit temps quand même, hein. C'est ça que je me dis. Mais du coup, comment j'avais été aussi rapide? Parce que là tu vois, on est sur un sans faute pourtant, hein. Mais même avec un sans faute, je suis quand même un peu à la ramasse par rapport à ma meilleure run. Hop là. On n'y est toujours pas, hein. Mais c'est fou ça, j'avoue, en vrai. C'est cool parce qu'il reste encore cette phase là. La phase qui me fait peur. Hop là. C'est surtout ce saut, voilà, là, c'est bon, on l'a fait, donc normalement c'est bon. Mais vu que la plateforme est si petite et qu'elle est au-dessus de toi, t'es en mode oula. L'incertitude plane. Bon, j'ai peut-être un peu de retard, tu vois, sur ma meilleure run, c'est même sûr, mais en vrai, on est quand même ultra bien. C'est-à-dire que là, si j'arrive à tranquillement one-shot la phase de l'avion.
Et ben on va se mettre dans de très très bonnes conditions pour la fin, et je pourrais comme ça me permettre de fail sur les fameux carrés mouvants qui me traumatisent à chaque fois. Pourtant tu vois, j'ai quand même réussi à les passer une fois, bon après une seule fois, hein, en one shot. C'est possible tu vois du coup, hein, effectivement, mais c'est sûr que c'est possible, mais... Non, à chaque fois je me fais quand même avoir, hein. Allez, une petite cible c'est pour le bonus, hein. Parce qu'on a le temps en même temps. Ok, allez, il nous reste 4 minutes 16, on est arrivé ici. Pour moi, ici, c'est, on va dire, le début de la dernière phase. On est vachement bien. Je sais pas après à quel point j'ai de l'avance sur le deuxième. Bah, niveau score, tu vois, il n'y a pas de différentiel, donc il est vraiment pas loin derrière, en principe, mais... On l'a quand même, pour l'instant, cette avance. Ah bah, il est juste là. Oula, oui. C'est le genre de scénario où bah tu vas voir, je fail sur la face des carrés, évidemment. Et lui, il ne va pas fail. C'est exactement ce qui va se passer. C'est exactement ce qui s'était passé dans ma game avant de faire du coup mon meilleur run. Où j'avais quand même réussi à atteindre la porte du coup à la fin. C'était la première fois d'ailleurs que j'atteignais la porte. Mais j'avais fini deuxième parce que... à 2 mètres d'ailleurs du premier parce que j'avais fail sur les carrés et l'autre non. Alors que j'étais devant lui du coup au niveau des carrés, hein. J'étais le premier arrivé tu vois sur cette phase là, mais j'étais tombé malheureusement. Hop, ma petite échelle. Ici on va avoir la phase un peu tranquille. Phase où je sais même plus si je l'ai dit, mais là t'as clairement moyen de gagner du temps, hein, en prenant un peu de risque. Mais c'est pas mon genre. Pas ce stade en tout cas. Je prendrai pas le risque, hein. Mais là, il y a des jumps à faire, hein. Il y a même un peu plus de rapidité à insuffler à ton perso, mais pff, vas-y, le risque est considérable, hein. Mais en même temps, évidemment, quand tu veux faire un speedrun et quand tu vois des gens qui font des 6 minutes en timer, évidemment qu'ils prennent des risques. Ça, c'est le genre de risque plutôt appréciable. Double risque en plus, hein. Bon, par contre, maintenant, en étant sur cette plateforme sur laquelle je vais pouvoir rebondir, bah celle-ci déjà, qui me fait un peu avancer. Ensuite, c'est celle-ci. Et après, c'est elle, hein, qui m'emmène sur celle-ci. Oh, c'est bon, on va la one-shot. Oh, c'est bon, ça! Et même là, je peux gratter. Hop, là, ça, c'est un petit raccourci également. Enfin, bizarre de dire raccourci pour un truc dans le genre où c'est juste, finalement... Un saut un peu plus rapide, mais en même temps, c'est un peu ça, hein. Oh, je viens de voir, il y a une carte de visite en plus d'un mec iridescent. Hé, hey, t'as beau être iridescent en glacé, t'es mauvais en jump, hein. Eh, oh, on peut se permettre de trash talk des iridescents, hein. Eh, oh. C'est bien le moment de le faire, en tout cas. Bon, maintenant, ça me stresse avec le fail qu'on a fait la partie d'avant là-dessus. Alors que d'habitude, c'est une petite promenade de santé. Mais pour autant, ça passe. Alors par contre, le mur, ok, parfait. Parce que j'allais me dire, il était où? Mais en fait, vu qu'il était, il venait de respawn, évidemment, que je le voyais pas. Bon, en tout cas, il était trop loin. Du coup, là, je suis pas pressé. Sinon, le mur, bah, s'il est derrière toi et que t'es pas assez rapide, il te pousse. Hein. Ça m'est jamais arrivé, mais il se fort possible. Mais là, c'est bon. Et l'ascenseur est là, et c'est bon. La dernière ligne droite. Et bah voilà. On fera pas d'autres games, je pense. Hein. De toute façon, c'était la dernière, mais... Voilà, au moins j'aurais pu vous faire en live commentary la petite victoire en Gata. Il y a peut-être même moyen finalement que je batte mon record, hein. Peut-être pas forcément en termes de temps, et encore, tu vois, j'ai un doute là du coup, hein, grâce à ce sans faute, hein. Mais aller le plus haut possible pour, on va dire, le rerun, vu qu'après, de toute façon, on repart au début. Je sais à peu près où j'étais arrivé, de toute façon, hein. Ok, allez, là, on continue, on enchaîne, hein. C'est pas terminé, il reste 40 secondes. Reparti au début, mais vas-y, on enchaîne. Va falloir avoir un timing de fou après sur les plateformes rouges, là, mais bon, elles sont jamais avec nous, hein. Va falloir non plus tomber sur la tentative de raccourci juste ici. Eh, hey, Tayo, oh, c'est bon, ça passe. Oh, miam, miam, fait plaisir, ça. Ah bah, je vous ai quand même proposé, là, une bonne run, donc je suis bien content. Ça a un peu tardé, du coup, il a fallu quand même 3 parties, tu vois, avant d'y parvenir, mais... Ça a quand même fini par passer. Ah non, je crois pas que je ferai du coup mon meilleur run. Ce sera quand même mon deuxième meilleur run. Et en même temps, d'un côté, je pourrais dire que c'est quand même mon meilleur run. Parce que même si peut-être en termes de temps, je suis un peu en dessous. On a quand même fait un sans faute. Je suis pas tombé une seule fois. Alors que j'étais tombé sur les carrés jusqu'au sur mon meilleur run. Donc voilà, on peut quand même retenir ça. Hein.
Et je suis le seul du coup à avoir en plus atteint l'arrivée dans cette partie. Aucun n'y est parvenu. Aucun a même atteint en fait les escaliers. Hein, vu que là le deuxième est à 220. Ah quoique 220, je crois que c'est au pied des escaliers. Ouais mais c'est quand même pas les escaliers, sinon il serait au-dessus. Donc il les a pas atteints. Je suis désolé. C'est mort pour toi. Eh ben c'était bien cool. Hein. De toute façon j'avais pris un peu l'engagement de refaire ce mode s'il réapparaissait, surtout avec de bonnes horaires cette fois-ci pour en tout cas en faire une vidéo. Bah ça a été le cas après quasi une semaine d'attente, donc voilà, l'occasion s'est présentée, j'ai saisi cette occasion et c'était bien kiffant du coup de rejouer à ce mode Get Height, mais cette fois-ci en live commentary dans des conditions du coup un peu différentes. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu, si c'était le cas n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, de commentaires et de partages, ça me fera extrêmement plaisir, c'est la petite récompense. Bien évidemment, on se retrouve du coup très très vite pour d'autres vidéos sur ce Modern Warfare 3 ou sur d'autres jeux. Allez bye tout le monde, oh yeah.